Lord, alléluia. Bien haut, alléluia. Nous fermons ta Dieu, alléluia. Nous vous lèvons le nom de Jésus ce matin, alléluia. Yeshua, Yeshua, alléluia.
merci notre Dieu, alléluia. Nous apprenons à glorifier le Seigneur en tout temps. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Jésus fait une mort pour nous. Jésus fait une souffert pour nous. Alléluia. Jésus fait une donne sur la vie pour qu'il nous capable d'appartenir à lui. Il fait une paye la rançon. Nous gagnons la rédemption, Jésus-Christ. Nous tapons la main bien fort pour ça, Jésus-là. Amen. Et nous connaissons qui n'est pas là pour rien. Je pas là pour rien. Il y en a qui sont qui vont passer davantage. D'ailleurs, il finit fini comment démarrer. Depuis ce matin, dans le banc quantique. Moi, je viens tout le temps des autres qui sont dans le banc quantique. Je pas pareil, moi, centenaire pour qui sentait. Est-ce que c'est la même? Ou quand pas centenaire pour qui sentait? Non, il n'y a pas arrivé. Il n'y a pas sous l'âge, il n'y a pas maintenant, il y a la musique sous l'âge l'âme. Il n'y a pas vrai, il sous l'âge. Mais guérir l'âme, c'est la puissance de Dieu qui guérit l'âme. Pour un diamant, il est délivré dans son âme, pour les guérir dans son âme, c'est la puissance de Dieu qui a fait ce travail. Alors, c'est seulement quand nous sentons le cantique, nous sentons la gloire de Dieu, nous sentons les promesses de Dieu, nous sentons ce que bon Dieu finit de réaliser pour nous en Jésus-Christ. Là, la puissance de Dieu l'y déclenchée. Et quand la puissance de Dieu l'est déclenchée, il n'a qu'il se passé dans nous la vie. Oh, ou tristesse l'est enlevée, ou l'angoisse l'est enlevée, ou la peur l'est enlevée. Et la paix de Dieu l'est prend place. La joie de Dieu l'installée dans la vie pour la gloire du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous pouvons nous la Bible dans 1 Pierre, le chapitre. Que ton nom soit béni, Seigneur. 1 Pierre, le chapitre 1er. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Louange à toi. Que ton camarade, Jélé, te fin faire bien, te fin venir ce matin. Merci, Seigneur, gloire à Dieu. Vous connaissez, et vous fin vina, peut-être. Il y en a peut-être fin vini par tradition, de tapis vini, de vini, parce que tout le monde de tapis dérangé vini. Il y en a peut-être de fin gagne l'invitation, ou bien peut-être il y en a fin vini pour faire une visite. Qu'importe dans quelle façon que vous fin vini là, il n'y a pas par hasard. Amen. Vous venez parce que vous êtes dans les plans de Dieu, vous fin vini là parce que bon Dieu n'a qu'il se pour dire où. Bon Dieu n'a qu'il se pour communiquer avec vous. Et nous tout connaissons que quand nous gagnons la connaissance, quand bon Dieu cause avec nous, quand nous gagnons la connaissance, c'est là qu'il nous capable de faire l'expérience avec bon Dieu. Tout miracle qu'un du monde est capable de recevoir de la part de Dieu, toute l'expérience qu'il est capable de faire avec bon Dieu, il ne commence pas. Connaît qui ça bon Dieu est capable de faire. Gagne l'information, gagne une nouvelle, gagne la connaissance de lui. Et ça, c'est tellement important. Ou bien qu'on est qui bon Dieu n'a pour, bien qu'on est qui bon Dieu a envie de faire pour, qu'il est capable de faire pour, qu'il a l'intention de faire pour. Tout cela est tellement important. Même au corps de Dieu, si le peuple, toute la race humaine, tu arrives à connaître qui bon Dieu a envie de faire pour eux, tu commences avec bon Dieu.
C'est une absence de connaissance qui empêche ben du monde faire l'expérience avec mon Dieu. De se connaître d'une autre façon, de t'approcher avec lui par d'autres façons, qui se finit apprendre depuis toute l'enfance, et de faire l'expérience avec mon Dieu. Mais ce n'est pas de cette façon. Nous faire l'expérience avec mon Dieu quand nous connaissons qui bon Dieu ou les faire dans nos vies. Oh, c'est ça. Quand on connaît qui bon Dieu a envie de faire quelque chose dans la vie, quand on connaît qui bon Dieu a envie d'agir dans la vie, c'est alors qu'on est capable de faire l'expérience avec mon Dieu. À cause même qu'il est important qu'il nous entende, nous connaît qui bon Dieu ou les faire dans nos vies. Oh, c'est tellement important. Longtemps tu es dans l'ignorance, pharisien, longtemps tu es dans l'ignorance. Nous tu veux prier bon Dieu dans nos façons, chacun dans son façon. Et nous tu veux faire tout le mieux possible. Pour nos bonnes pratiques, pour nos bonnes œuvres, et pour nous essayer influence bon Dieu, nous essayer influence lui, ouais. Peut-être pour nos façons de nous faire, pour nos langages, nous essayer influence lui, peut-être la langue qui fait bon Dieu capable d'avoir un peu de sentiment pour faire quelque chose pour nous. Mais maintenant, nous finissons arriver à comprendre, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qu'il nous peut faire qui peut influencer bon Dieu. Ce n'est pas nos façons d'agir qui peut influencer bon Dieu. C'est ce que Jésus finit faire pour nous qui influence bon Dieu. C'est ce que Jésus finit accomplir pour nous qui est important. Et tout le sens, vous voyez le sens tout là, le sens tout quand vous arrivez conscient que vous avez un grand quelque chose à faire, c'est ce qu'il finit faire tout beau. Ou simplement besoin de croire, juste croire. Ça, c'est ça les mots forts, hein, les mots clés. De l'expérience avec Dieu, c'est juste croire. De ce que tu même lui dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu crois, tu ne crois pas trop la gloire de Dieu. Hein? Il n'est pas compliqué pour croire, vous connaissez ça. Hein? Il n'est vraiment pas compliqué pour croire. S'il y a tout qui maintenant, hein, nous arrivons conscients que, bon Dieu, quand il dit à nous croire, il n'est pas laissé comme ça, même pour connaître comment vous êtes capable de croire. Il donne sa parole qui inspire la foi en nous. Quand ça m'a dit que dans la semaine, il y a des exhortations. Pour la Sainte-Seine. C'est la même façon par qui nous sommes capables de recevoir un miracle, bon Dieu, communique-les avec nous à travers sa parole. Qui veut dire, là, il donne-nous la foi pour nous mesurer des fois de Dieu. Il donne-nous une mesure de foi dans l'esprit pour nous capables de recevoir de la part de Dieu. À cause même qu'il est important d'écouter attentivement. Quand nous écoutons, la foi là, il communique. Et quand la foi là, il communique, bénédiction, il tombe dans nous la vie. Oh! Quantité que nous pouvons comprendre, quantité que nous pouvons écouter la voix de Dieu, c'est sa quantité la même que nous pouvons nous bénir. Si nous prenons, nous mettons d'un côté, nous prenons à la légère, nous pas donner assez de temps pour écouter ce que bon Dieu n'a pour communiquer avec nous, nous aurons beaucoup de bénédictions dans notre vie. Mais quand nous donnons entièrement à Dieu, quand nous permettons de causer avec nous, dans n'importe quelle situation qui nous capable de trouver, dans n'importe quelle circonstance qui nous capable de trouver, bon Dieu, causer avec nous, il pourrait venir sur le plan dans nous laver. Il pourrait venir nous qu'il a envie de faire dans nous laver. Et peut-être si vous êtes dans une situation compliquée, difficile, dans une situation embarrassante, right? Bon Dieu est capable de communiquer avec vous l'équerre, hein? Qu'il a envie de faire dans nous laver et comment il peut faire ça. Et il peut donner le moyen pour capable de croire. Mesure de foi, une dose de foi pour capable de croire et recevoir un miracle. 1 Pierre, le chapitre 1er. Sachant que, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Mais il y a une façon de vivre qui nous fait hériter avec nos parents. Right? C'est une vaine manière. Une vaine manière veut dire une manière qui n'a pas produit résultat, qui n'a pas servi à rien. Qui veut dire, longtemps, quand tu es dans la religion, quand tu es dans nos bonnes croyances, il n'est pas qui apporte nous rien, pharisien. Il n'est pas qui avantagé. Il n'est pas qui produit un résultat dans nos vies. À cause de ça, il nous fait des efforts beaucoup. Right? Nous fait beaucoup d'efforts, nous fait beaucoup l'amorce, nous fait beaucoup pèlerinage, nous fait beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de gens qui flagellent d'autres l'écho, il y a des gens qui martyrisent d'autres l'écho. De fait, tout côté est pratique. Pousser comme si influence le cœur de Dieu. Mais c'était une vaine manière de vivre auparavant. Il n'est pas pour dire résultat de cette même façon-là. Les genoux ici, c'est simplement
quand nous croyons dans Jésus-Christ, quand on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, quand nous croyons ce qu'il finit accompli pour nous, c'est là qu'il nous capable de recevoir de la part de Dieu. Comment bon Dieu agit dans nos vies quand il nous peut croire dans ce moyen qu'il finit de nous. Et qui ce moyen-là, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas capables d'entendre que bon Dieu agit dans nos vies et nous ne pouvons pas accepter le moyen qu'il peut nous, nous ne pouvons pas tout nous rébénir. Pourquoi pas tout nous réussir? C'est quand nous croyons dans le moyen qu'il peut de nous pour nous réussir, qui nous pour réussir? Est-ce que c'est un même? Il est simple, ça va, il n'est pas compliqué. Mais quand il y a un chibaba même s'il n'est pas encore né, il n'est pas compris ce qu'il peut dire. Ouais. C'est quand nous croyons dans le moyen que bon Dieu met à notre disposition pour nous capables de recevoir, nous croyons là-dedans, il est là qu'il nous pour recevoir. Il est là qu'il nous pour trouver bon Dieu à intervenir. Alors, c'est-à-dire, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vie que vous héritiez de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur, c'est à Dieu. Mais pourquoi ça va que à partir d'aujourd'hui, l'important du sang de Jésus? Pourquoi il est important qu'une cause sur le sang de Jésus? Parce qu'on connaît, qu'il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs, nous finissons déjà comme ça, comprends? La croix en elle-même, la croix en elle-même, les passants du monde. Right? Bon, vous connaissez beaucoup de gens, d'ailleurs la chrétienté, ce symbole, c'est dans la croix, parce qu'ils nous croient dans le Christ crucifié. Right? Mais la croix en elle-même, les passants du monde. Right? C'est quelqu'un qui tire la croix là, qui fait le mot là, qui sent la vie du monde. C'est Jésus-Christ. D'accord? Et sur l'amour, les symboliques, sur l'amour, les significatifs, et sur l'amour, il y a une grande importance. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de gens pour qu'on connaît qui faisaient ce qu'ils font mort. Et point du monde sur la vie, il changeait pour lui faire l'expérience avec mon Dieu. Et bien, premièrement, connaît, vient la connaissance. Qui fait Jésus finalement sur la croix là? Qui fait Jésus finalement sur la croix là? C'est ça qui peut faire toute la différence. Parce que quand nous pas arrivé, qu'on est qui fait Jésus-Christ finalement. Et si nous croyons que Jésus-Christ finalement pour accomplir un certain rite religieux, right, tout comme les autres religions, il y a certains rites qu'ils pratiquaient, pour la chrétienté, Jésus-Christ vient loin de la croix, d'après ce rite, nous peut prendre un mauvais chemin. Et ça, pas pour permettre nous de l'avant, nous pour piétiner en place et nous pour rester en place. Il suffit qu'il nous arrive de connaître qui fait Jésus, fin, mot, l'eau, la croix. Et, bon, on va aller un peu plus loin que ça. Jésus-Christ, l'eau, la croix, il y a qui ça qui finit passer. Ouais, qui est important nous connaît. C'est l'eau, la croix, qui Jésus-Christ, tu se dis sans t'y couler. Ça ne vous arrive qu'on pense à. Mais parce qu'avec vous, le sang de Jésus, parce que nous vous arrivez qu'on est, et l'eau, la croix qui s'est passée. Certes, ben, t'y cloué sur la main. Certes, t'y cloué sur les pieds. Certes, tu mets une couronne d'épines sur la tête. Certes, tu mets une lance dans ce côté. D'accord? Mais la Bible dit nous très clairement, frères et sœurs, qui, à travers sur la main, sur les pieds, sur le côté qui finit un coup de lance, et sur la tête qui tient une couronne d'épines, une couronne qui tient une épine qui est longue, hein? Quand paissant l'eau sur la tête, il est enfoncé. Il y a un élément qui peut couler l'eau sur la croix là. C'est le sang de Jésus. À cause même qu'il y a important que mon cause avec vous, l'eau, le sang de Jésus. Right? Et c'est ça qui joue un grand rôle. C'est ça qui est important.
C'est pas l'Akwala, mais ça qui fait mort l'Akwala. C'est lui qui se dit sans fin couler, l'eau sans l'Akwala qui est important. Parce qu'il dit l'eau l'Akwala, oui, mais ensuite, il dit qu'il l'Akwala. Après qu'il fait mort. Et ça, tu mets sur l'écho d'un tombeau, d'un caveau, d'un tombeau. Mais l'abbé dit, nous, le troisième jour, sur l'écho, tu ressuscites. Si Jésus-Christ sur l'écho finit ressusciter d'un caveau, il nous a dessiné un caveau dans l'écho. Il nous a mis un assain d'un caveau aussi, autant que nous mettons la croix. Pour montrer, ok, ce n'est pas la croix là qui est important, ni le caveau là qui est important, c'est ça du monde qui meurt là qui est important. C'est ça le sacrifice. Bon, le sang. Laisse-nous causer le sang dans ce sens général. Nous ne pouvons pas gagner l'idée qu'il n'y a aucune idée d'aller, puis nous ne pouvons pas comprendre. Nous pouvons tous nous laisser nous saisir là. Nous ne pouvons pas être vite, pour que, parce que quand on va vite, parfois, on ne peut pas saisir beaucoup de sens. Right? C'est un peu pareil quand on peut voyager dans le bus, quand le bus peut aller vite. Right? Vous pouvez être dehors, vous pensez qu'on peut saisir, saisir les images, vous ne pouvez pas saisir parce que le bus peut aller vite. Ou pas réussir, ou bien une voiture, un véhicule, ou bien un métro, c'est n'importe quoi, puis elle vit ou pas réussir. Beaucoup qui se laissent sa peau. Est-ce que vous pouvez comprendre? Right? C'est quand on perd lentement, ou peut relax, c'est là qu'on arrive à comprendre un peu plus. C'est tellement important. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le sang, c'est un élément vital dans le corps. Vital veut dire un élément essentiel à la vie. Indispensable. Écoute-moi bien, lentement, non, ensemble, ensemble, doucement, doucement. Indispensable. Nécessaire. Le sang est nécessaire pour maintenir l'existence. D'accord? À cause d'un qui connaît qui a un accident et qui a perdu beaucoup de sang. À qui canal dit il y a un risque de la mort. Même aussi, c'est un monde qui a l'anémie. L'anémie veut dire et mort beaucoup de sang dans le corps. Hein? Et nous te connaissons que l'anémie dans le coin du monde, il y a beaucoup moins de causes qui causent l'anémie dans le coin du monde. Bon, on va vous faire une étude médicale avec ça. Même si je suis capable de faire des colliques, je ne peux pas dire. Mais moi, vous pouvez aller, parce que je fais une dérance, je fais une minane, puis à cause avec vous, je fais une étude spirituelle. Right? L'ennemi est capable de faire du monde quand il y a un risque dans la vie. L'essentiel, dans quelle façon? Parce que c'est le sang qui apporte l'oxygène dans le corps, dans toute partie de le corps, qui passe à travers la veine ou dans la terre, qui apporte l'oxygène sans qu'il réalise. Hein? Alors, c'est simple que parfois, quand il y a du sang dans son écho, hein, ce sang est faible, vous trouvez qu'il y a beaucoup de problèmes physiques, même problèmes physiques, problèmes mentaux, dans la tête, ce cerveau. Qui fait parce qu'il manque l'oxygène dans ce cerveau. Et là, vous trouvez qu'il y a la tête atroce, fait mal, atroce, une migraine, on appelle ça migraine, qui est très très fort. Right? C'est, tout ça là est important qu'un démon ait besoin d'un sang dans son écho qui est capable de l'oxygène. Hein? Merci Seigneur. Il apporte aussi un élément nutritif, c'est-à-dire qu'on peut manger. Hein? Un parti dans la nourriture, il est utilisé dans l'écho, ça vous connaît. Hein? C'est à travers du sang qu'il est pénétré partout dans l'écho. C'est un élément nutritif. Hein? Et aussi un anticorps qui est transporté partout dans le corps. Vous connaissez dans tous nos corps, tout le monde dans le corps a un anticorps, un élément qui combat les microbes. Le corps ne peut pas combattre les microbes. Mais qui fait parfois, il y a du monde prend un médicament, right? C'est simplement un antibiotique. C'est parce qu'il y a une immunité, peut-être que vous attendez, je ne peux pas trop en détail là. Ce système du corps est faible. Étant les faibles, il faut prendre anticorps, veut dire antibiotiques, pour capable de gagner résistance qui est besoin pour repousser les microbes qui sont déjà dans ce lécho-là. C'est tout ça, le peuple de Dieu, pour montrer que le sang, c'est un liquide
right, qui circulent dans les vaisseaux sanguins, artères et la veine, qui arrosent tous les tissus de l'organisme du corps. Il apporte un élément nutritif et l'oxygène bien cher, et aussi retire tout ce qui est bien retiré dans le corps. Vous trouvez que parfois, il y a un bouton, une tasse, etc., un petit gros, un petit... C'est un déchet qui est bien sorti, ça. Ou le corps, il y a un système qui est fini créé. C'est le sang qui joue un grand rôle dans tout ce même système-là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon. Et quand nous causons l'élément vital, nous causons un élément essentiel, comme on finit tout à l'heure là, indispensable, right, un élément nécessaire. Il paraît comment on a besoin de l'oxygène. Un démon a besoin de l'oxygène pour les vivre. Oh, si vous prenez l'oxygène, vous ne pouvez pas vivre. Vous avez besoin de l'oxygène. Right. Bon, il y a un démon de pratiquer, de faire un exercice dans les profondeurs de l'océan, à une certaine distance, sans respirer, de bien pratiquer ça, de faire un exercice, et de tenir peut-être 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, mais ensuite vous allez remonter. Remonter début dans de l'eau, on peut dire. Parce qu'ils sont capables, mort, parce qu'il y a une absence de l'air, de l'oxygène dans l'eau, ils sont capables de faire l'eau et pas exister encore. Right? De l'eau aussi, il est important, la nourriture aussi, il est important. Right? Si peut-être un nombre de jours pas manger, pas tous la nourriture du tout, automatiquement ça peut faire l'eau, il y a même une complication physique, même jusqu'à la mort. Qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de la nourriture, qu'il y ait de l'oxygène. Right? Et c'est ça qui veut dire essentiel, le sang dans où les corps. Right? Mais dans mon demandeau ouvert ou la Bible, merci Seigneur, dans Deutéronome, le chapitre 12, verset 23, et bon Dieu vous dit tout simplement, garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, c'est la vie. Merci Seigneur. Et Dieu lui cause avec dans Genèse, chapitre 9, verset 3 et 4, à Noé et sa famille, il dit, vous mangerez de la chair, mais pas avec son âme. Right? Pas avec son sang. Qui fait? Parce que la vie, il trouve dans le sang. Right? Quand la Bible dit, nous, est-ce qu'il finit de nous sur la vie entièrement, il veut dire, tout ce du sang finit couler. C'est ça que la Bible dit là. À cause de ça, dit, tout à l'heure, là, il dit sang qui coulait dans les bras, dans la main, dans les pieds, dans le côte, dans la tête. Et d'ailleurs, Pierre, tu visionnes, tu témoignes. Quand Jésus-Christ est dans Gethsémané, quand tu peux prier, ben, tu sortis comme un grumeau de sang. Vous connaissez ça? Ça aussi, Pierre, tu témoignes, pharisien. Un petit de sang, tu coulais depuis dans les Gethsémané avec Jésus. Quand tu fouettes-lui avant qu'il aille là, quoi? Il passe à fouetter comme on nous connaît, à la lésière là. Un fouetter qui est jusqu'à se lâcher, peut faner. Du sang peut faner. Pour montrer au qui, quand il dit à l'esprit, ce du sang fait couler, il dit, il donne sur la vie sur le bord de la croix. Tu se dis sans, c'est de la croix que tu se dis sans, tu coulais. D'ailleurs, la Bible dit à nous, frère, dans un. Il dit à nous tout simplement qu'en dernier lieu, tu as l'air pour monter au verset là, en dernier lieu, il dit à nous, des loups avec 10 ans qui sont sortis. Oui? En dernier lieu. Et de dire, ok, à chaque fois qu'un quelqu'un se dit sans peut couler, dernier qui sortit, c'est des loups sortis. Parce que dans les Corains du monde, il y en a. Dans 10 ans, un démon, il y a 50% des lots composés. 10 ans composés de 50% des lots là-dedans. Bon, pas parler en détail, là, tout à l'heure, nous avons fait une autre étude. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, nous retournons un pierre, disons-nous. Nous pas fini racheter par l'argent ou l'eau. Pas de Dieu, c'est moi qui en a fait, hein, qui est un marin important. Right? Nous tout connaît que l'argent, il n'a valeur. Nous tout connaît que l'eau est une valeur. Oh! Nous tout connaît que même pierre précieuse est une valeur. Pierre précieuse est une valeur.
Mais il n'est pas fini sauvé, ni par l'encens, ni par l'or, ni même par même pierre précieuse. Right? Mais il nous finit sauvé par le sang précieux. Qui fait ça, un mot précieux, là? Parce qu'il peut faire en comparaison avec même pierre précieuse. Un objet qui est précieux, qui n'a valeur. Qui veut dire le sang de Jésus, il n'a plus valeur qu'il l'encens, qu'il l'eau. Le sang de Jésus n'a plus valeur que même pierre précieuse. Est-ce que c'est la même? Bon Dieu fait accepter, paye le prix. Moi, tout à l'heure, j'ai chanté de dire, paye une rançon. C'est ça qu'appelle la rédemption. Redeem. La rédemption, c'est l'acte de rachat. Payer une rançon pour obtenir la liberté d'un quiquen. Pourquoi on connaît qui veut dire rançon? Ce qui est un quiquen, maintenant, finalement, on l'enlève. Right? Là, je demande une certaine somme d'argent pour qu'il ne relâche ça quiquen. Et Jésus-Christ, pense aux 100 versets, les films payent l'exigence de la loi, la rançon, pour qu'ils nous capables d'être libérés, pour qu'ils nous capables d'être appartenir à Dieu. Oh, imagine ça bien, pharisien en Christ, je vous dis une affaire. Pense ça bien. Pense ça bien. Si nous là, nous pouvons sans bain quantique, nous pouvons adorer bon Dieu. Il peut glorifier bon Dieu. Right? Et il y a une seule raison qui fait dit comme ça. C'est Jésus-Christ fait accepter vestus de la vie, de la terre. Il fait accepter mort pour nous. C'est ça la seule raison, Varisa. Puis il y a une autre raison à part ça. Jésus fait donner sur la vie pour nous, ce disant fait verser pour nous. Right. C'est ça la seule raison. Il y a nous bien racheter. Racheter veut dire bon de payer un prix pour gagner toi. Il vient dans l'acte de acheter. Acheter. Te payer un prix, tu gagnes quelque chose pour toi. Te payer la valeur de ça qui se fait, il vient pour toi. Peuple de Dieu, pour que bon Dieu accepte de payer un prix, et quand il prix, 10 ans Jésus-Christ. C'est parce qu'il nous a l'importance pour lui. C'est parce qu'il nous a avalé pour lui. De tout ce qu'il a. Nous a avalé. Nous a l'importance. Aux yeux de Dieu. Pas prendre ça à la légère. Mon trop bien dit, on prend à la légère l'amour de Dieu pour vous. Nous trop prend à la légère. Jésus-Christ molo la croix. Si vous arrivez conscient que quand Jésus-Christ tu peux molo la croix, quand ce 10 ans tu peux couler, et tu peux molo et ce 10 ans tu peux couler pour où? Pour moi. Père, ne vous donnez-nous la vie totalement. Nous donnez sur la vie totalement, pharisiens. Tout ce 10 ans couler veut dire qu'il nous donne sur la vie totalement. Parce que dans un 10 ans là, tu n'as sur la vie et tu peux vivre. Nous donnez, pharisiens, pour nous. N'a pas laissé une vie sans passion empêche de nous faire l'expérience avec bon Dieu. Parler ce n'est pas quelque chose qui est simple de ce monde. Qui n'est pas capable de mettre la même balance avec le sang de Jésus. La valeur du sang de Jésus. N'a pas laissé sa main infligeant, ça pas contrôle de nous la vie spirituelle. À nous veillons tout le temps, pharisiens, nous conscients qu'il nous a valé, bon Dieu fait payer un prix pour qu'il nous appartenir à lui. Bon Dieu fait payer un prix, mon frère, mon sœur. D'accord? Les genoux, mais pas le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut, sans tasse, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin du temps à cause de nous tous. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Tout à l'heure, la pharisienne,
Nous devons mettre beaucoup de définitions, beaucoup l'importance dans le sang. Vous êtes d'accord avec moi qui quand nous cause 10 ans, et je connais beaucoup de gens qui ne sont pas capables de 10 ans. Il sait pas qu'il y a un grand matin, mais il ne sont pas capables de 10 ans. Il n'y a qu'un père. Je connais un quelqu'un tout le temps, c'est un quelqu'un qui s'en peut couler, ou bien sur la même, une piquée, il s'en peut couler, il tombe sans connaissance. Right? Le père, dit ça. Il y en a beaucoup de gens par rapport à l'accident, encore, disant de faner partout. Right? Parce qu'il définit la vie du monde. Right? Et dans Genèse chapitre 4, verset 10, il y a nous qui. Pour dire que vous avez Caïn. Parce que nous tous connaissons que Caïn est arrivé à tuer son frère, Abel. Connais la mort d'Abel, c'est un exemple de la mort de Christ. Parce que Caïn, il symbolise la race humaine. Il symbolise tout le monde qui vit dans les ténèbres, qui naît d'Adam. Caïn. Et Caïn est arrivé tuer son frère Abel. Qui fait? Parce que Abel, tu offres à Dieu un sacrifice symbolique. Parce que la Bible dit à nous, pharisiens, Caïn, tu offres à tout le premier miné de ce bon animaux. Faire sacrifice. Qui dit sacrifice pharisiens veut dire du sang coulé. En fait, si nous ne pouvons pas dire pharisiens, ça c'est le deuxième moment qui dit sang coulé depuis quand nous guettons la Bible. Frère, c'est le moment qu'on premier Adam, Caïn et Abel. Non, pharisiens, il y a 10 ans fin coulé avant ça, avant qu'ils aient réalisé. Alors, prenez soin de la pensée là. C'est quand Adam est arrivé pécher et qu'il est arrivé, il s'est trouvé nu. Quand il s'est trouvé nu, il y a un qui sont madame qui a caché. L'étant Dieu peut dire Adam, où es-tu? Je connais beaucoup de monde qui dit, mais bon Dieu, tu connais que Adam était. Bon Dieu, tu connais que Adam était. Puis quand il peut dire Adam, où es-tu? Il peut dire, tu as envie de faire Adam connaît que toi était toi. Toi qui besoin connaît. Parce qu'Adam, tu connais que tu étais. Il peut cacher, mais dans quel état tu es rentré? Tu n'as pas besoin de cacher. Parce que quand Dieu t'a créé Adam et Ève, Dieu t'a commis avec eux. Mon pécou, tout ça pour montrer que ça. Sa tendance pour cacher qui Caïn qui Adam et Ève t'y manifestaient l'innormal dans la race humaine dans le cacher. On peut pas trouver qu'un quelqu'un qui fait un crime dans le cacher. Un démon qui fait un mandat qui se la cacher. Une tendance cacher. Adam et Ève t'y cacher devant la face de Dieu. Parce qu'ils ne se trouvaient pas capables d'être communion avec bon Dieu. Parce qu'ils. Je finis faire ce qui n'a pas besoin de faire, je finis désobéir à bon Dieu. Mais nous tous connaissons qui bon Dieu fait avarice à ça jour-là. Bon Dieu finit cause avec eux. Nous tous connaissons l'histoire, nous connaissons la conversation qui finit dérouler en Dieu avec Adam et Ève. Quand il dit Adam, ben, est-ce qu'il t'a pas rasé, tu n'as pas fini manger ça, fruit qui t'a pas mangé là. Il dit oui, tu connais mon madame ça, tu connais. La tendance, après tu te demandes madame, madame dit non, c'est pas là ça. Ça. On dit qu'elle est encore existe cette tendance-là. Pas moi, ça lit ça. Comment elle dit ça? Hein? Je me rappelle une fois un quelqu'un une crasse une quitteuse. Qui s'en est crasse ça? C'est lui-même qui crasse ça. Il y a un chibaba qui n'en bête là qui crasse ça. Comment un chibaba qui n'en bête qui crasse sa quitteuse? Il y a sa tendance, pas moi, elle dit ça là. Hein? D'exister, ça, c'est ce qu'elle a l'air. Et. Bon, Dieu t'a tué les animaux dans des ordres. Et tu fais un vêtement, tu habilles ça là. Parce que c'est tini. On lit dans Genèse pour tout ça. Ça, c'est la première fois que bon Dieu fait ça. Couvert la nudité. Bon, vous montrez au fil de sa étude là comment la mort de Christ découvert nos nudités, frères et sœurs. Un quelqu'un qui peine à Jésus avec lui, c'est un quelqu'un qui est nu, quand il est là. Quand bon Dieu est là, tout le monde qui est nu. Peine à l'insolé.
Adam et Ève, tu n'as la gloire de Dieu, les autres. Mais quand on désobéit, quand on mange les fruits défendus, on désobéit, la nature du péché finit pas en place, on trouvait qu'il se tenait, et vraiment, la gloire finit qu'ils autres. Et Dieu, quand il y a quelqu'un qui est encore dans les ténèbres, dans le péché, si toutefois, ce matin, on peut écouter ce message-là, ou pas encore prendre une décision pour Jésus-Christ, quand on peut être tout là, il peut trouver quelqu'un qui est nu, spirituellement parlant, puis il n'y a rien là-haut. À cause même qu'il y a une tendance pour tout le temps cacher même ce mal qu'il vous fait. Une tendance pour couvrir. Nous prenons l'exemple. Qui fait un monde, right, et quand il est dans la case, il cause bien, il est correct. Right? Quand il fait même qu'il s'occupe à besoin, c'est en dehors de la case, pour personne ne va trouver. Il fait lire dans la même place cachée. Tendance fait mal de mal dans la même place cachée, dans les ténèbres, dans la marée noire. C'est ça, sa tendance en cachette. Ou bien, c'est couvert pour quelque chose, c'est couvert pour une feuille. Feuillasse. Pas feuillasse. Combien de gens font ces couverts pour une bonne œuvre, peut-être, couvert pour peut-être bonté qu'ils sont capables de venir en eux-mêmes. Ou bien, couvert pour eux-mêmes l'enfant. Vous connaissez, il y a du monde qui a été bon Dieu avec cette casse. Le pardon n'est pas capable de payer pour rien ça. Une fois, Simon le magicien, tu viens avec mon apôtre, avec Pierre, et tu dis, Pierre, puis prier pour mon Dieu, maintenant, puis recevoir le Saint-Esprit. Il dit, avec Pierre, moi, donne-toi l'enfant, demande à don là, moi aussi. Pour moi, quand on pose la main, du monde n'est pas recevoir le Saint-Esprit. En fait, sur l'intention, c'était, étant donné qu'il est dans la magie, il fait la magie pour qu'il casse. Il peut penser que quand il gagne un don là, les gens sont capables de poser la main. Le monde du monde, quand il gagne cet esprit, il pose casse, il se pose. Toujours l'esprit qui a bossé. L'esprit travers. Ouais. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, peut-être l'enjeu. Il y a du monde de couvert pour l'enjeu. Peuple de Dieu, l'enjeu pas pour ça. Nous, on fait que ici, il n'est pas fini d'être racheté ni par l'enjeu ni par l'eau. Prends tout l'eau, prends boîte l'eau, boîte bisou qu'il y en a dans l'armoire, dans le fond de l'armoire, viens déposer, il a dit frère, mais me place ça devant le Seigneur, qu'il y pardonne moi tout de suite, il n'y a pas pour moi aussi. Mon bien content, tonton, on a prié. Il n'y a pas pour moi aussi. Il n'y a vraiment pas pour moi aussi. Il est tellement important. Ça aussi nous connaît, parfois on a dit qu'on connaît frère, on connaît mon mari, il dit ça, mais il pas bien qu'il vienne l'église, pas gagner le temps même frère, il n'a pas la dîme, pas tout la dîme, bon Dieu, il a besoin de toi. Toi qui l'as besoin. Nous pas pour dire quelqu'un là, connaît, oui, on a besoin de toi, il n'y a pas de problème, je ne sais pas, je ne pas au royaume parce que je suis dans l'église. Non, il ne peut pas passer. Mon Dieu, pas accepte toi quand il trouvait qu'il t'a accepté ce moyen pour qu'il t'ait pas, qu'il t'a capable de sauver. Il n'a pas accepté toi quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as accepté que ce sang finit couler pour toi. Quand tu fais une croix dans le sang de Jésus, il est là qu'il bon Dieu accepte toi. Pas pour tout casse. Ni te man bonzer, mon fin peu dit bien, c'est-à-dire, mon un peu l'enzan, man pauvre. Te donne man pauvre, car c'est bon, tu es man pauvre. Mais pas ça qui pour sauve toi. Pas ça qui pour faire ta gain place dans le royaume. Il suffit qu'il te croit dans Jésus-Christ, tu acceptes lui comment te sauver un personnel, tu acceptes qu'il finit mort pour toi, c'est le bois de la croix, qu'il se dit sans fin couler pour toi. Se dit sans fin couler pour toi. Il y a la même place réservée pour toi. Oh! Pas nouvelle mon œuvre. Bien sûr, quand on finit d'accepter les esquisses qui m'ont sauvé personnel, quand on finit de croire dans cette distance d'esquisses qui finit de couler pour nous, bien sûr, bon Dieu appelle-nous pour faire mal bonne œuvre. Ça les vient après. Bon Dieu attend que nous vivions la vie spirituelle qui peut attendre de nous. Ça les vient bien sûr après. Right. Nous tout connaissons qu'il y a un monde qui fait une transfusion, tu connais? Transfusion du sang.
transfusion pour permettre à un monde de continuer à vivre. Parce que ce 10 ans, peut-être, il y a une complication. Il y a du monde d'une anémie extrême, ou bien il y a des complications, faire une transfusion du sang. Jésus-Christ, par son amour, par ce 10 ans versé, nous revenons là après, il vient faire une transfusion de nous. Il y a une transfusion, qu'est-ce que c'est une verre de nous laver. Oh! Ça ne pourrait être après. Toujours en passant. En passant. Merci Seigneur. Laisse-nous venir de la Bible dans Hébreux chapitre 12. Hébreux le chapitre 12. Le verset 24. Le verset 24. Seigneur Jésus, si tu es capable, donne-toi la vie pour moi. Avant même qu'il m'ait existé. En 1957, quand moi tu nais, c'est ce qui t'est fini. Molo la croix pour moi. Depuis 2000 ans de cela, tout comme vous, si tu fais incapable, donne-toi la vie pour moi, te distance une versée pour moi. Seigneur, me donne-toi la vie totalement. C'est ça la prière qu'il nous besoin de faire. Mais pas pour faire non, qui est capable, offense-toi. Offense sans l'amour qui te fait déclencher, manifester pour moi. Faudrait un djimoun li pénal l'équerre, ça va rester. Faudrait un djimoun li pénal l'équerre. Pour être capable d'agir mal contre Christ, contre sa parole. Il est capable d'agir un avis qui bon Dieu pas toléré. Après qu'il finit entendre que Jésus finit souffrir, finit mort à cause de lui, faudrait un pénal l'équerre, ça. Qui sont ceux qui n'ont l'équerre ici? Amen. Que veut dire, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre ce qu'il m'a dit. C'est ça que je peux dire. Il right? Faut dire que je n'ai pas de cœur. Parce que quand est-ce qu'il finit sur la vie sur les bas de la croix, mon frère, mon sœur, il n'est pas fait ni à gauche ni à droite. Il n'est pas réfléchi. Il n'est pas prendre le temps pour décider. Pour nous sauver. En fait, quand Jésus-Christ pharisien, on trouve l'amour de Dieu pour nous. Quand Dieu a tant aimé, c'est sur l'amour pour nous. Sur l'amour manifesté en Jésus-Christ, sur le bois de la croix. Hébreux, chapitre 12, le verset 24. Merci Seigneur. Là, il dit à nous, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Merci Seigneur, gloire à Dieu. La Bible dit à nous, pharisiens, comme tu viens de dire ça avec vous tout à l'heure, dans Genèse chapitre 4, verset 10, quand Caïn finit tuer son frère, Caïn qui symbolise le monde actuel, Abel il symbolise Christ à cette époque-là. À cause même que vous trouvez quand on lit Hébreux chapitre 11, en parlant de la foi, après qu'il finit de dire premièrement, right, Hébreux chapitre 11, premièrement, il finit de dire nous, qu'est-ce qu'il dit hein? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Il finit cause nous le monde formé, dans Genèse chapitre 1er, le monde formé. Right? Là qu'il dit, hein? C'est par la foi qu'Abel, il met la belle dans la ligne de la foi. Dis avec moi la ligne de la foi. En fait, si nous avons envie de comprendre qui veut dire la foi c'est nous rendre dans la ligne qui bon Dieu finit tracée devant nous. À travers Genèse, chapitre 1er, à travers Abel et tant d'autres qu'il est nommé après, qui continuent jusqu'à ce que nous finissions d'arriver. On rentre là-dedans.
rentre dans sa cime là. Le chemin de la foi. Un chemin qui amène nous à une certaine destination qu'on appelle la vérité en elle. En Jésus-Christ. Décause-nous rétablissement de toutes choses. Vous entendez ce mot-là, rétablissement de toutes choses? Décause-nous rétablissement de toutes choses. Qui est ce rétablissement de toutes choses là, ça? C'est quand Adam et Ève t'y désobéissent, hein? Quand Adam et Ève t'y passent à côté de la plaque, à côté de la volonté de Dieu, ce qui finit arriver, toutes les choses inchangées. C'est que Dieu t'y prédestiné pour eux, tout fin changé. Qui fait pour cette désobéissance. Et mon fin des accords, ça avec vous. Dieu t'y capable rétablir toutes choses tout de suite. Mais il n'est pas capable de faire les sans jour là, ce moment-là. Qui fait? C'est simple. C'est parce que Adam et Ève partent dans l'état pour recevoir le plan de Dieu dans notre vie. Comment nous connaissons qu'Adam et Ève partent dans l'état pour recevoir le plan de Dieu? C'est parce que la Bible dit à nous faire très clairement. L'État dit, Adam, est-ce que tu finis tous à cet orbe? Est-ce que tu finis mince en fruit là? Si Adam te dit oui, Seigneur, mon finement s'affruit là, mon reconnaître mon fin faire un erreur, mon reconnaître mon finement s'affruit là. Peut-être les choses pas tout pareil. Tu vois un changement. Mais le moment que bon Dieu est venu, il dit est-ce que ton finement s'affruit là et que Adam dire, oui, mon fils manger, mais c'est mon madame qui finit faire maman ça. Là, ça fait la babou. Qui fait? Parce qu'il y a une absence de repentance. Il n'est pas bien trouvé qu'il est bien repenti, il peut mettre l'eau sur madame. Et tu demandes madame là aussi, pareil, c'est à prendre là ça. C'est à pas madame là même qui finit faire l'immense ça. Vous voyez madame là même qui fait l'immense ça. On te demande frère, prier, on ne sait pas trop rire là. Hein? Certes, madame la mère qui vient faire l'immense, hein? Mais c'est mon camarade. Quand il donne toi, tu es capable de dire non, bon, il ne dit pas mon ça, c'était là. Pas tout ça. Bon, il finit de dire. Qui avait? Tu es manipulé par lui, toi. Madame là, n'a contrôle l'autre, toi. La femme, c'est la faiblesse de l'homme. La femme, c'est la faiblesse de l'homme. Tout ce qu'il dit, vous avez besoin d'écouter. Non? Il dit, tu as besoin de manger. Si tu dis, tu es mon mari, moi, tu es madame, mon fils créé, j'ai une lettre pour toi. Tu as besoin de manger. Et tes camarades disent, comme un con, avaler. Avaler. Non, mais nous sommes, parce que quand Adam, tu veux manger, nous sommes ensemble avec lui. Nous sommes, tu veux manger, là. Mais c'est ça, l'absence de repentance, ça qui finit arrive, ça. Mais c'est moi qui avais Dieu dresse un plan. Dieu dit maintenant, à travers la femme, la descendante de la femme, la postérité, pour quelqu'un qui peut venir, c'est Jésus. C'est ça, là, depuis dans Genèse. Et là, il dresse un plan, une façon de faire, une approche, pour qu'il permette qu'il soit réalisé. Qui veut dire la foi dans le hébreu, c'est tout le monde qui rentre dans sa plan pour permettre qu'il soit réalisé en Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout, pharisien. D'accord? Jésus-Christ, souvenir sur l'amour, c'est le rétablissement de toutes choses. Tout ce qui a dans hier fut renversé, Jésus-Christ rêve de mettre l'issue dans sa place. Communion qui symbolique auparavant, l'approche avec bon Dieu qui symbolique auparavant, du monde qui approche avec bon Dieu à travers le tabernacle, etc. Symbolique, quand on vient avec Jésus-Christ, on n'oublie pas ce pour le tabernacle, c'est pour le bon Dieu. Pour le bon Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En contact, en communication avec mon Dieu. C'est la chose fin sans être. Là, bon Dieu, tu dis avec Caïn, quand il a tué son frère, parce que Jésus-Christ symbolise, dans sa semaine-là, symbolise Jésus-Christ. Hein?
Il dit, la voix du sang de ton frère Abel crie de la terre jusqu'à moi. Disant ton frère peut crier, qui veut dire pharisien, hein? Disant c'est la vie, il est dans la voix, et il est causé. Disant c'est la vie, et il est dans la voix, et il est causé. Bon, on dit ça clairement avec Caïn. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Qui peut crier? Qui lui peut crier? Fais-moi justice. Abel se disant, tu criais, dis fais-moi justice. Mon besoin est de venger. Confesse condamnation. Parce que la Bible dit très clairement que dans Genèse chapitre 9, verset 6, en parlant à Noé avec son fils, appelé le déluge, il y a ce qui qu'un verdissant, dissant de ce semblable, si verdissant de ce semblable, il a tué ce semblable. Par dissant, il peut être vengé. Il peut payer sur la vie de sa même façon la même. La question que vous trouvez dans l'Ancien Testament, des causes. Dent pour dent, et puis, ah, moi, je tout connais ça par cœur. Parce qu'une affaire qui dit, je ne trouve pas pratiquer tous les autres. Pas qu'à pas connaître. Dent pour dent, elle pour elle. Hein? Dent pour dent, elle pour elle. Et le Nouveau Testament, est-ce qu'il s'enseigne ça? Il finit d'écrire, dent pour dent, elle pour elle, mais moi, moi, des autres, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est la grâce. Dent pour dent, elle pour elle, c'est la loi, ça. Dent pour dent, aïe pour aïe. C'est ce qu'il dit, maman des autres, content aux bonnes ennemis. Priez pour quelqu'un qui persécute les autres. Faites du bien à quelqu'un qui fait les autres du tout. C'est pas venu là, ça c'est un autre message en lui-même. C'est vrai? Merci Seigneur. Il veut dire qu'il y a une vengeance qui besoin faire. Une sanction. Le sang d'Abel est cause sanction. Bien que sanctionné. À cause de ça même qui Jésus-Christ avant les venir, tu n'as le sang d'Abel qui tu peux causer tout ça le temps là. Et causer même, tu peux venir là. Ouais. Nous gagnons la loi aussi divine dans sa tendance là même parce qu'il fait du monde, vous arrivez à comprendre que si tu fais du tout, du monde, tu besoin d'après valer ça du tout que tu fais une faire là. À cause de ça, tu n'as la loi. Si vous faites l'offense, vous bien payez ça. Si vous faites l'offense, vous payez tant. Si vous devez être en prison, tant ou l'autre, tant ou l'autre, etc. Mais le sang de Christ qui l'est causé, frères et sœurs. Dit sans esprit, s'il dit, hein? Il dit, nous, hein? Le sang de Christ, il parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Christ, il dit, hein? Réconcilier, faire la paix. Colossiens chapitre 1er, verset 20. Nous ne pouvons pas mettre point au point lié un par un, mais vous dire où lit directement. Les causes, justification, le pardon. Romains chapitre 5, verset 9, et Hébreux chapitre 9, verset 22. Tu vois, là-bas, la vengeance, met des côtés, sanctionné, punition. Ici, les causes, réconciliation. En Jésus-Christ, mais cause avec quoi? Le sang de Christ, il parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Christ, il parle mieux que le sang d'Abel. Ouais, il y a nous ici, là, le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Réconciliation, faire la paix avec bon Dieu. Justification, le pardon, la délivrance. L'Apocalypse, chapitre 1, verset 6, c'est causons de la délivrance. Ne délivrer par le sang de Jésus. L'Apocalypse, chapitre 5, verset 9, c'est causons de racheter, veut dire bon Dieu, achetez-nous. À travers Caïn, frère et sœur, ce qu'il finit faire, ça dit sans Abel qui finit crier vers bon Dieu, il finit dire que
Il est bien quelqu'un qui paye un prix pour ça. Il est bien payé un prix, il est bien payé une conséquence pour ça. Il a une peine pour ça. Mais nous finissons rachetés. Racheter, vous n'avez aucune peine pour payer, mon frère, mon soeur. Jésus finit subir toute une peine que tu viens subir. Toute une conséquence que tu mérites, c'est ce qu'il finit subir, cela. Vous n'avez pas passer pour ça maintenant. Vous savez encore dans les excuses. C'est même qui est compliqué là, mon frère. C'est qui est facile là, même qui est compliqué pour la race humaine. Parce que finalement, tout le temps, fait quelque chose qui est difficile. C'est qui est compliqué. C'est qui Jésus fait facile. Yo, trop facile pour être vrai. Trop facile pour être vrai. Et pourtant, c'est moi qui disais croire, moi je disais croire, hein, croire vrai-même, un vrai croire, une vraie croyance. Racheter. Nous venons lire tout à l'heure dans Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, qui cause nous, racheter, ni par l'or, ni par l'enzo, mais par les prêches qui sont de Christ. L'Apocalypse, chapitre 7, verset 14, qui cause nous, donc quelqu'un qui finit laver, blanchir, nous, une robe finit blanchie. Oh! Vous connaissez quelle robe qui est dans le nous, pharisiens? Une robe blanche. En quoi ça nous symbole, c'est la blanc. Il symbolise là la piété. Vous ne devez comment dire, madame, mettre linge blanc. Linge blanc. Laver. Tout man tasse qui est capable d'exister dans la vie spirituelle. Tout man morgue. Tout man odieux. Tout bon mal propreté qui est capable d'exister dans la vie. Pour les péchés, pour les mal, mais pas que ça. Hein? C'est la façon pour qu'il est capable de nous mettre nous propre. Le sang de Jésus. Dans la parabole, fils prodigue, bon, les premiers qui se sont pas dit à donner un joli bain. Quand il est retourné. Un bain qui n'est mérité, premier coup là. Un bon bain qui n'est mérité là. Premier qui se sont dit faire avec nous, frère, c'est quand nous venons vers lui avec nous mal propreté, nous l'un sale. Nous l'un dégoûtant, nous ban impiété qu'il a nous, il purifie nous par le sang de Jésus. Oh, gloire à toi. Un produit que nous utilisons pour la manlince. Vous connaissez ça? Nous servissons un produit là pour telle tasse, telle l'autre. Right? Mais le péché, ce man produit là pas morcé. Pour la vingt quelqu'un qui se baissait ou pour un homo, il n'est pas pour se vivre. Le côté homo là, pendant le sang, là, il s'est baissé là. Avec sa produit là. Homo là, pendant le sang. Le sang de Jésus. Est-ce que c'est toi-même? Mon frère, coupe et attends pour dire bon Dieu, pardonne-moi, refasse tout, mette-moi propre. Ou continue de vivre dans sa monde ténèbre, même avec ou vie sous passion pareil, avec son insal qui l'a ou loin, ou un insal où tu peux vivre dans le péché. Il va plus dire que ça, c'est spirituel ça. Quand bon Dieu qui t'y peut trouver, qui coulait l'aise dans l'eau. N'a pas tolé le péché à aucun moment dans nous la vie, mon frère, mon soeur, même un petit péché. Frère, un petit péché, vrai. Ou pour un petit rose, vous mettez dans l'eau, la mer, de vous couler pour aller dans le fond. Même les points un peu les temps pour aller là-bas, pour aller seulement. Parce que si vous coulez, les roses, c'est rose, c'est vous couler. Péché, c'est péché. Pénal, c'est péché. Pénal, grand péché. Je ne sais pas, finir ça, mon petit péché, mon grand péché, pas qu'à faire, non. Non, il finit pour tout péché. Oh! D'ailleurs, il dit écoute, le péché finit abondé, la grâce finit sûre. Abondé. Merci Seigneur. Les causes de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Tout ça, nous pouvons être un petit peu plus en détail après. Là, nous pouvons faire une introduction. Ça. Les dieux nous font vaincre le diable par le sang de Jésus. Tout pouvoir qu'un démon capable de venir à la vie d'un démon. Qui se sorcellerie plus puissante, dernier modèle technologie avancée. Sorcellerie technique avancée, technologie avancée. Tout peut n'avoir pouvoir devant Dieu sans Jésus-Christ. Dieu sans Jésus-Christ, il casse tout pouvoir Satan. Alors, nous la vie, mon frère, mon soeur. Amen, amen. Ah, maman. Oh. Maman peut t'applamer pour le Seigneur Jésus. Amen.
À distance, il est puissant, mon frère, mon sœur. Est-ce que vous comprenez? N'importe qui trace impiété, mal, ténèbres, sorcellerie, la scène, tout cassé. Par le sang de Jésus. Imaginez ça, frère et sœur. Nous n'avons moyen, nous n'avons solution là. Nous n'avons produit là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous venons rapprocher de Dieu longtemps, nous sommes loin de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Nous sommes loin, nous ne sommes pas capables dans la case, papa. Est-ce que nous sommes capables dans la case, papa? Papa céleste, moi, cause à vous. Rentre dans la case, papa céleste. N'importe qui est, n'importe qui moment. Oh, vous êtes capables de cause avec les librement. Tout ça, nous allons vous guetter après. Par la grâce de Dieu, merci Seigneur. Nous venons être sanctifiés. Hébreux chapitre 13, verset 12 à 21. Sanctifié, qui vient sanctifier? Nous finissons d'être quelqu'un bon Dieu, mettez-nous en port. Bon Dieu parole que ce monde peuple mingle avec du monde qui est impur, avec qui est mal. Vous voyez, avec Dieu, Dieu n'est pas associé avec le ténèbre. Il y a nous qui rapport et n'a entre Dieu avec le ténèbre. Pas existé. Dieu c'est la lumière. Le péché n'a aucun rapport avec bon Dieu. Je ne veux pas cohabiter ensemble. Le péché est bien séparé dans nos vies étant enfant de Dieu. Oh, nous disons nous l'école est le temple du Saint-Esprit. Dans ça, l'école là, pas capable de le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut habiter. En même temps, ténèbres peut habiter là-dedans. Le péché peut habiter là-dedans. Il ne faut pas. 1 Jean 5, 1er verset 7, il dit nous le sang de Jésus, il purifie nous. Il rend nous purs. Ou propre, pur. La piété. Vous connaissez qui est contraire de la piété? Qui est contraire de la piété? L'impiété. Ou un enfant de Dieu, on a bon parfum, le fond, tu causes ça dans la semaine. Ou un parfum de bonne odeur, qui est l'eau? Oh. Et spirituellement parlant. Toujours spirituellement parlant. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui pue, il propre, cet enfant bon Dieu là. Il n'est pas malin. Il n'est pas mal propre. Il parle patouille avec le mal. Ou patouiller avec le mal. Après, venir dans la présence, bon Dieu, vous faites quelque chose de beau. Un enfant de Dieu, il est gardé pur devant le Seigneur. Voici Dieu, il est pur. Oh! Il est tellement important, merci Seigneur. Nous avons libre accès devant le trône de Dieu, Hébreux chapitre 10, verset 19, par le sang de Jésus, veut dire, nous avons libre accès devant le trône de Dieu. Libre accès. Qui fait le plus faire ça, libre accès là, en comparaison avec l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, pour venir vers Dieu, ou pas de gain droit même, c'est souverain ça qui vous cache, qu'il y a un bon Dieu là-bas, dans les lettres saintes. Personne n'a dit qu'un droit là-bas. Seulement le souverain sacrificateur. Il prend 10 ans l'amener pour lire avec pour le peuple, pour ce pardon aussi, parce que c'est bien pour ce pardon, et pour le peuple aussi. Mais tandis que Jésus qui peut me faire pécher, dit tout. Jésus qui peut quelqu'un qui fait me faire pécher, il fait une porte nous pécher, mais il n'est pas fait me faire le pécher. Oh! Ça n'est pas cause de là, la prochaine fois. Pour montrer vous, quand Jésus qui peut morcer l'eau, la tête, tu peux faire un miracle, il n'est pas tu peux vivre dans le péché, dit. C'est quand il y a l'eau là, quoi qui s'est pour pécher la l'eau? Il est important de comprendre ça. Parce que quoi, moi, je dis que quand il y a l'eau la tête, il fait le mal, le péché, les ténèbres, tout nous fait, parce que si tu veux pour ça, l'eau, tu peux faire ça en même temps. Arrête. Non, non. Quand il y a l'eau là, quoi qui s'est pour nous pécher? Quand il y a l'eau là, quoi qui nous porte nos maladies? L'eau là, quoi qui s'est pour nos condamnations? Tout ça là, nous pour guetter, pharisiens. Arrête. Mais en Jésus-Christ, nous avons libre accès devant le trône de Dieu. L'apôtre Saint-Femme, vous causez avec vous, médiateur, qui veut dire le médiateur, vous causez avec vous, qui veut dire l'alliance, c'est cause nous la première alliance, et l'ancienne alliance, et cause nous aussi nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Basée, l'eau, ban, meilleure promesse. Oh! Est-ce que vous connaissez beaucoup d'enfants bondés, même de bébés dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, je t'en encore pratique l'Ancien Testament? Ça ne peut guetter. Façon de comporter, de façon de t'agir. Right? Il est bien vivre comme un enfant de Dieu, un enfant de la Nouvelle Alliance. Amen. D'accord? Ok, frère et soeur, nous avons fait une confession de le sang de Jésus. Détournez-nous les cœurs.
Qui sont ceux qui croient dans le sang de Jésus? Qui sont ceux qui croient, qui disent ce qu'ils font une versée pour eux? Bon Dieu fait payer le prix à travers ce qu'ils se disent. Je crois là-dedans? Dis Seigneur mon Dieu, nous faisons recevoir ta parole ce matin avec la foi. Te fais montrer nous, Seigneur, qui te fais payer le prix pour nous, à travers le sang de Jésus-Christ, à travers sur la vie qui finit offrir en sacrifice sur les bois de la croix. Oui, Seigneur, mon Dieu, te fais montrer nous aussi comment, à travers Jésus-Christ, nous sommes capables d'être délivrés de la malédiction, de la condamnation, et qui maintenant, nous sommes capables de jouer le meilleur et que nous sommes capables d'approcher nous-mêmes devant toi à travers ce sang. Oui, Seigneur mon Dieu, nous confessons, nous déclarer ce matin qu'il nous croit que le sang de Jésus est dans la puissance pour délivrer nous, pour faire nous du bien, pour sens nous laver, pour transformer nous laver, pour permettre nous faire l'expérience tous les jours de nous la vie. Nous refuse la malédiction. Nous refuse la condamnation. Nous refuse manquement, défaillance, le ténèbre, ban vice, ban passion dans nous la vie. Nous conscients, Seigneur, que nous sommes le temple de Dieu qui te habite au-dedans de nous. Par le Saint-Esprit, et nous prenons la décision, la résolution, pour laisser en tout temps nous la vie comme un sacrifice devant toi, que ta présence gagne l'occasion pour pénétrer en nous, pour faire nous du bien, nous résister le mal, nous résister l'impiété, nous résister le péché, dans toutes ses formes, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, nous croyons dans le sang de Jésus. Nous croyons dans le sang de Jésus. Nous croyons dans le sang de Jésus. Amen, 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 amen. Laisse-nous sortir ce cantique que nous t'y sentais tout à l'heure là. Oh, dernier cantique à moi, nous prêche la parole là. Pas oublier, frère et soeur, qui nous pouvons le lancer après. Quand il s'agit de délivrer de l'Égypte, comment et bon, l'étudiant, le peuple d'Israël, et prend un agneau, et prend ce disant, mette-le l'intérieur de la porte, sur un poteau devant de la porte, et quand l'ange destructeur est pour passer, ben, le premier-né de cette maison, s'il y a un premier-né de cette maison, il dit pas pour être tué, parce qu'il pour recevoir la protection de Dieu. Nous pouvons croire que moi, le sang de Jésus les protège nous. Et vous pouvez croire là-dedans. Il y a une lance destructeur, une puissance qui roule fait du tout, qui roule détruire le monde. Bon Dieu les protège de sa main d'influence là. Pour la gloire de son nom. Merci Seigneur.